Good morning, everybody here. And so now I will teach you today the Mahamudra prayers made by Thadkarmapa Rangjung Dorje. So one session in the morning now, and another one is in the afternoon at 3 o'clock. So I will complete this Mahamudra prayers. Bonjour à tous. Je vais ce matin vous expliquer, ainsi que cet après-midi à partir de 15h, les prières de souhait du Mahamudra qui ont été écrites par le troisième Karmapa Rangjung Dorje. Nous allons pouvoir ainsi vous donner une présentation complète de ce texte dans les deux sessions du matin et de l'après-midi. This Mahamudra prayers is prayers, but it's also giving you the lesson how to begin up to the enlightenment. So whole the procedures how to practice, how to engage in the Mahamudra practice, everything is explained here. So one side is a subject, and on the other hand, you are making wish in order to accomplish the Mahamudra practice. Ce texte est en effet un prière des souhaits que l'on formule, mais c'est également un texte qui explique toute la pratique du grand sceau ou du Mahamudra. Nous avons ainsi dans ce texte à la fois l'explication du processus de la pratique qui sont accompagnés du souhait de pouvoir réaliser ce processus. So the Mahamudra is name of the subject teaching of Kagyupa, which explaining details of the Shiné and Latong connect. Latong, then the advanced Latong is Mahamudra. And so Chagya Chempo means Mahamudra according Sanskrit. Maha means great, mudra is kind of mudra, usually the hand, the hand mudra, or it also refers to the seal, means like guarantee. So Maha Mudra refers to the meaning of guarantee by the hand of Buddha, that this practice is the only practice for enlightenment, for Buddhahood. Donc le terme Mahamudra, donc le sujet d'un enseignement particulier à la tradition Kagyu, dont est héritier la lignée Kagyu. Ce titre désigne à la fois la pratique de Shiné et de Lakdong, autrement appelé aussi Shamatha Vipassana, et Mahamudra désigne en particulier les pratiques avancées du Lakdong. Le terme lui-même est traduit en tibétain par Chagya Chenpo. Le terme en sanskrit Maha veut dire grand. Et le terme Mudra, il s'agit à la fois des gestes que l'on fait avec les mains, donc un symbole, signe, et il désigne également le sceau, c'est-à-dire ici au sens d'une sorte de garantie, d'assurance, de certitude. Et il s'agit ici donc de dire que c'est le grand enseignement garanti par la main même du Bouddha comme étant l'unique pratique qui mène
directement à l'éveil. Yeah. Okay. Qui garantit anyway, l'éveil. Pardon. Anyway, this is just a name or name. Mahamudra is a name. So name of the text is Mahamudra. So given by Gambhoba. Okay. In Nyingma teaching, they say Mahati, Mahamudra, Mahati, and then Madhyamika. All are different names, but pointing to the same meaning. En effet, il s'agit juste d'un titre, Mahamudra, que l'on retrouve dans que fut présenté par le grand maître Gampopa, titre de texte également présenté par le père de la lignée Kaju, le maître Gampopa. Nous voyons d'autres termes équivalents, par exemple dans les traditions Nyingma, comme le Mahati, ou bien aussi le terme du Madhyamaka ou Madhyamika. Il s'agit ici de différents termes qui désignent en réalité une même chose. In Mahamudra and Mahati, they emphasize more teaching about how to do the meditation. In Madhyamaka subject, giving logical analysis how the Mahamudra view is accurate as a path for enlightenment, as the nature of phenomena, or as a nature of mind, or the ultimate enlightenment. So Madhyamika subject explain a lot of analysis in order you to get the accurate view about Mahamudra. And then Mahamudra teaching in Kagyupa, there are two ways. And one way is with some Vajrayana practice. And another one is without Vajrayana practice, just directly enter into the Mahamudra path. There are two lineages. So Mahati is also explaining the same thing. So they call Thekchu and Thegal. So Thekchu is without Vajrayana and Thegal is with Vajrayana. Le Mahati ainsi que le Mahamudra explique principalement comment mettre en application la pratique, comment faire pour réaliser l'éveil. Alors que les enseignements du Madhyamaka présentent principalement les analyses logiques pour venir à une compréhension précise et réelle de la nature des phénomènes, de la nature de l'esprit. Donc il s'agit plus d'une approche analytique en vue d'une compréhension, alors que le Mahati et le Mahamudra est une approche plus pragmatique de la mise en application. Dans le Mahamudra, nous trouvons également deux méthodes ou deux lignées de pratiques distinctes. La première est une lignée de pratiques où le Mahamudra est pratiqué sur la base de s'être engagé dans la pratique du Vajrayana et dans les méthodes de la pratique du Vajrayana. La deuxième lignée ou moyen de pratiquer le Mahamudra consiste à le pratiquer directement sans avoir recours aux méthodes du Vajrayana. Nous trouvons un équivalent, par exemple, dans la pratique de Mahati. Le processus qui n'implique pas la nécessité de s'engager dans le Vajrayana se nomme dans le Mahati le Thekchu, alors que les méthodes, les moyens
appliqué sur la base de la pratique du Vajrayana se nomme Thögal. So, the practice of Mahamudra or Mahati, if one combined with the Vajrayana methods, then most time this is only suitable, applicable for the practitioners who completely renounce the worldly life. So, for instance, like Rishiki Yogi, you know, in Hindu, there are yogi called Rishiki. So they are totally renounced from the worldly life and they stay in the mountain. Those Vajrayana, in Mahamudra lineage, there are so many, many yogis. They were all Mahamudra practice combined with the Vajrayana. Therefore, they were yogi. So they stay in the their hermitage totally. They stay in the jungle. Suitable, because sometimes you may have to do some kind of dynamic practice which does not suit for the society. Suitable, yeah. Like Telopa given a lot of hardships to Naropa. So it's suitable in the mountain. If Telopa do this here now in France, Telopa will go to jail. So it's not applicable. dans les pratiques du Mahamudra et du Mahati, les pratiques qui se fondent sur la base de la pratique du Vajrayana impliquent une vraie renonciation de la vie sociale, c'est-à-dire se dédier sa vie entièrement à une vie d'ermite, de se retirer, implique de se retirer complètement du monde. Un peu à l'exemple des yogis de Rishikesh qui vivent dans la montagne et en dehors de la société. Il y a eu un certain nombre de grands maîtres accomplis du Mahamudra et du Mahati qui ont pratiqué ces méthodes sur la base de la pratique du Vajrayana. Ces maîtres-là, comme nous pouvons voir, étaient des maîtres, des yogis, c'est-à-dire des personnes qui vivaient en dehors de la société. Et la raison pour laquelle ils vivaient ainsi en dehors de la société, c'est que leur pratique impliquait parfois des activités, des méthodes quelque peu dynamiques qui ne sont pas compatibles avec la société. Pour vous donner un exemple, par exemple, le maître Tilopa a soumis son disciple Naropa à de très grandes épreuves. Si cela se passait en société, sans doute Tilopa aurait été mis en prison pour ça. What do you think? Tilopa deserve to go to jail or not? If he exercise such a kind of torture, if he exercise kind of torture to his disciples, if Telopa is here right now, if he let you all do this, and he's illegal, isn't it? Sure. Yeah, in French law, you cannot give such a hardship to people. And what do you think? Telopa is deserve to go to jail or not? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Tilopa mérite d'aller en prison ou pas? Si nous mettions Tilopa dans notre contexte actuel, un maître qui oblige ses disciples à subir des épreuves importantes, est-ce qu'il serait pas en train d'infliger à ses disciples des difficultés qui sont en fait, vis-à-vis de la loi, illégales? What do you think? I will say yes. He deserves to go to jail.
Because otherwise many people will imitate of him. How do you know differentiate it? Yeah? Qu'en pensez-vous? Je dirais moi que il devrait aller en prison. So you will not know differentiations between the right yogi like Telopa and fake yogi. You, the disciples have no capacity to differentiate. So someone can imitate of it. Mm-hmm. Yeah. So therefore, Vajrayana has been restricted for many reasons, and this is one of the part of the reason. The Vajrayana is only practiced for the hermitage. Je pense qu'en effet, il irait en prison dans le contexte actuel. Et ceci est une raison pour laquelle la pratique du Vajrayana ne convient pas à une vie en société. L'une des raisons est que le disciple n'est pas à même de pouvoir distinguer un maître authentique d'un charlatan. Et quelqu'un peut très bien se présenter comme un maître authentique et vouloir ainsi abuser de ses disciples. C'est pourquoi le Vajrayana, à mon sens, ne convient que pour les pratiquants renonçants, ceux qui vivent en dehors de la société. So, the Gambopa, he organized the lineage from Kadam, Kadam lineage, the Lojong, 7 points, mind training, etc., and combined with the Mahamudra practice without much involved with Vajrayana. This is the one, the third karma, Barangjung Doji, explaining the part of the, yes, even he also is, he given some directions how to engage with Vajrayana, but main one is without Vajrayana. So it's two together here, but main one is without Vajrayana, which we all can practice comfortably. If anyone here want to go into the Vajrayana practice, you can submit an application to me, then I will arrange a jungle. the Italy. I organized a nice center in the border of Italy and Switzerland. It's too comfortable for the real yogis, but it is okay for the initial yogis. Donc Gampopa, le maître Gampopa a combiné à la fois les enseignements Kadampa introduits au Tibet par le maître Atisha, tels que les pratiques de Lojong, etc., avec les enseignements du Mahamudra qu'il reçut de Milarepa. Il les combina de sorte à ce que l'on puisse directement pratiquer la voie du Mahamudra sans devoir s'appuyer sur les pratiques du Vajrayana. Donc dans ce texte du troisième Karmapa, l'on trouve quelques références en effet aux pratiques du Vajrayana, mais ce qu'il nous présente, c'est essentiellement cette voie du Mahamudra en dehors de la pratique du Vajrayana telle qu'il nous fut donnée et présentée par Gampopa. Si vous souhaitez pratiquer le Vajrayana néanmoins, vous pouvez me soumettre une application. Et dans ce cas, je ferai en sorte de vous trouver soit une jungle où vous pouvez aller vous retirer. D'ailleurs, il y a un lieu en Italie, à Bordeaux, où nous avons un centre.
c'est probablement trop confortable pour un vrai yogi, mais convenable pour un yogi débutant. Melarepa, after he taught everything to his disciple Gambopa, then he told him that he will give him the final methods, final teaching. The final, only one teaching that is the left. So final teaching he will give. So then after Gambopa left, then Melarepa told him, when you cross the river, and then you, I think so, and then you must look back, I will show the final methods. So when Gambopa look at that, then Melarepa show his bottom. Because bottom is completely flat. So that much he sit on the rock and did meditation. Did you understand now? That's the one. So we are using the spongy meditation cushion now, which is okay. So without my Vajrayana, then it's okay now. Le maître Milarepa, un jour, à la fin d'avoir donné toutes les transmissions à Gampopa, lui dit à son départ qu'il avait encore un dernier enseignement à lui transmettre. Et une fois que Gampopa avait traversé une rivière qui se trouvait là, il s'est retourné et à ce moment-là, Milarepa lui montra son derrière. Et découvrir son derrière pour le montrer à Gampopa. Et Gampopa découvrit qu'en fait, Milarepa avait des fesses plates, tant il s'était assis en méditation. Donc nous, en effet, on peut utiliser un coussin un peu confortable, etc. C'est parce qu'on n'est pas obligé de mettre en application les difficultés liées ou l'assiduité nécessaire dans la pratique du Vajrayana. Donc on peut se permettre quelques conforts. Une autre raison pour laquelle il nous faut pratiquer cette voie du Mahamudra en dehors du Vajrayana. Yadavnandi Namo Guru Lama. I will read it one shloka. You will get lung also, yeah? Namo Guru Lama Namda Yidam Chingrula Chuchu Tusum Yawasena Dala Tsegun Dagi Malamna Chijin Dube Tunjur Chilam Zhe. Homage to the Guru Lamas and Yidam Mandala deities, victors of the three times and ten directions, and your offspring, lovingly consider me and bless my expression prayers that they may turn out exactly as intended. Okay, so now here, this just, it's kind of a tradition of the great masters when they, before they write something, then they pay their respect to the Triple Gems and as well as their teacher and lineage, the teachers of their lineage, and then Yidams and Buddhas and Bodhisattvas, and then requesting to bless me or the writer Thar Karma Parangjung Dhoji, and in order to accomplish what he dedicated for sentient beings. Alors, Rinpoche vous lira chaque stance et en tibétain d'abord, ainsi vous recevrez le long, la transmission de lecture, et ensuite il vous expliquera le sens du texte. Donc le première stance, maîtres et déités du mandala, du yidam, victorieux et fils des dix directions et des trois temps,
ayez une aimante pensée à mon égard et en accord avec mes souhaits, accordez votre bénédiction pour que je puisse atteindre l'accomplissement. Donc ici, l'auteur, le troisième karmapa, suit la tradition où il est d'usage de rendre d'abord hommage à ses maîtres, aux trois joyaux, Bodha, Dharma et Sangha, ainsi qu'aux divinités de prédilection, les Yidam, etc. Et il fait cette, il rend cet hommage afin qu'ils puissent recevoir leur bénédiction, puis pour qu'ils puissent mener à terme son intention d'aider les autres, et en particulier pour qu'ils puissent mener à l'accomplissement son intention. Dagon thai semjin thamji samjur namda kangril leche kosum yomi keso chujinam gyawa ku ji janzun jujur chik senanda dagon tandi mulam deba po su ina ya teji dur tanda mulam zebe kala ranjun doji ranche tanga ranzun mulam denken su dagon shibe kala rangi che te dagon thai semjin thamji ji samba pusum sobai samba nambara thakpada, jowa nambara thakpada, goni, ane, tene, gyawa khare, sakpati, ta samba nambara thakpada, jowa nambara thakpada, khare, karbo, karbo, khare, karbo, tene, shindu kaabu yimbe, karbe, dangdan denba yimbe, shindu zewu yeba, tere, pejane, te matsepe, ane, khare, ni, chu, junshi, maba, yungu, yotan, tere, pejane, khare, li, chepe, kosum, nyome, give it so. Tapena Kang Chushin to Tang Mather, Peja. Tell a Yoba Meva said, tell a Kosum to Yoba Che. Kosum said it, Jimbe Yul, Pena Jimba was Tombayina, Jimbe Yul, Jimbapo Rani, that Jimbapo Rani la Dad Zimbati Yuzana, then Jimbe Yulia Yul Tela Dadun Zimbatan, Jimbe Mobola, Dad Zimba Niga Yundi. That Jimbapo Rani la daudun zimba di mena, tin ti daudun zimba mebeke, mibati, yurda ngobotamjela bene, tena tene, tene yuriam meba, ngoboyam meba, tena tena jing chuatamji, dongbani yimbati, shetu yore, tinza, kangrili kibi getso, nyoba mebasia, nyoba mebasana, kusum miba mebasia. Ta kosum de miba yuetana ta nyobatin te sonza sunum sagre de yuna sunum de tameva trotu maris. Yula, Jimbatong Yula, Dadun, Jimbatong Boranila, Dadun Zimba, Jimbatong Yula, Dadun Zimba, Jimbe Mobile Dadun Zimba Yuna, then Zimbati, Chimari. Semje Korvigi, Korvigi Nando. Korvegi nane zane tarme tuba jing dengende korwa mare kowa le shenba zimbati jing yobare. O tenda yinba sonzang koye jing mare zimbati shenbe jing yobare. Tenda yindu jimba tongwa po rani jimbe tongwegi yul semje jimba tongwegi ngobo tamche la daudun zimba meba jiyona ten kosungla nyoko meba yins. Ti gyawati ta tene kanrik li Chungegi chu, tene damla sobegi nyoba meba nabuchi reis, te kangre le peja. Kangre ni chungegi chu di gyawa le peja. Di chujun di, tene kangre le chungegi chu pena kalasha. Tandangaran su hindu lai ne kalasha, kalasha ni chu ji pagu yore. Chu ji di pagu yore, chu ji char, tene rosa gyatso re di yore. Tishindu, tenen aransu, sambadan jova, number tabale chungi, geva, give it so. There's a tamji, then gawa, kuji, jansulan juba, chuchi, kuji, granji, tene, truku, longku, chuku, ngoni, chukudi, kuji, jansulan juba, chuchi, sit, malam jago. Tadeche. Ne di
streams of accumulated virtue, uncontaminated by the three concerns that spring from the snow mountain of my own and countless other sentient beings, totally pure intention and actions flow in the ocean of the four Gayas of victors. Okay, this Mahamudra text is very good in English, but the one which translated by Eric Pema Kunza is very, very nice. English is flow much better, so you can get that English text is very easy for you to read it. It is also good, but we don't get the other copy, so this is mediocre good. So we are using this now. Oh, I have to explain in English, yeah? Okay. So, true accumulation of the merits. Here it says, may these streams of the accumulated virtues, the accumulated virtues means merit, yeah? Like even you're giving something to the animals is also merit. And bodhisattvas, they go into accumulation of merits practice for three countless kalpas through six paramitas. I think six paramita is familiar to most of you. So six paramita practice. But if you are lacking of the wisdom paramita, then six paramita practice is limited. Though it is, yes, great merit. Great merit, it has great merit. If anyone go through the practice of generosity and practice of moral, practice of patience, practice of contemplation, practice of prajnana means wisdom with the practice of diligent, of course, has great merit. But if the merit is lacking by the view of the wisdom practice, then merit is limited. Therefore, here, uncontaminated is like unstained, means that any merit you engage into should be free from the clinging on it. There are three ways of you clinging on it. One, for instance, if you give something to the animals, if you're clinging yourself as me or self, clinging on the objects which belongs to you, clinging of others as something like other compared to me. When you have that clinging on three round, then your merit is limited. So if you are free from that clinging, then your merit is limitless. This merit will go towards to the enlightenment. Therefore, limitless merits, because free from the three round attachment. So uncontaminated. The two accumulation means one on one side, accumulation of merits, on the other hand, accumulation of wisdom. So merit and wisdom combined together is the uncontaminated stream which directly goes to the ocean of four kayas. Four kayas are the quality of the enlightenment. So like ocean is big and deep. So ocean, the four streams which come from Kalasha mountain goes to the ocean as it is. My merits
our merit through the two accumulation of practice must go to the enlightenment, which is the quality of the Buddha, with four kayas. Nirmana kaya, sambhoga kaya, dharma kaya, then another kaya is, I think, essence kaya. Yes, kaya of essence means, well, this will be explained here later. Okay? Four kayas. Alors, nous venons à la stance 2. Rinpoche remarque que cette traduction en anglais n'est pas tout à fait la meilleure. Il existe une autre traduction faite par Eric Pema Kunzang qu'il préfère. L'anglais est plus est plus précis et c'est mieux écrit. Donc je vous lis l'instance. Puissent les flots de mérite non souillés par les trois concepts, nés des montagnes neigeuses, des pensées et des actes purs, de moi-même et de tous les êtres, se fondre dans l'océan des quatre kayas des vainqueurs. Donc ici, il fait référence à l'accumulation de mérite, des vertus, des actes de vertu, de la pensée et des actes physiques et verbales vertueuses. Nous pouvons également comparer cela aux six paramitas que vous connaissez sans doute, les six perfections que sont la générosité, la discipline morale, la patience, la persévérance, la concentration méditative et la sagesse. D'une manière générale, il est considéré que ces paramitas ne sont pas, sont limités, plus précisément, lorsqu'ils ne sont pas associés à la sagesse. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas associés à la vue, à la compréhension de la réalité ultime. Alors, lorsqu'il y est référence dans cette stance des mérites qui sont comparés aux eaux pures qui descendent des montagnes neigeuses, à l'instar des quatre fleuves qui coulent du mont Kailash et qui se jettent chacun dans l'océan. De même, ces mérites sont purs ou parfaits lorsque ils sont associés à la sagesse. Et c'est en cela qu'ils sont non souillés par les trois concepts. Les trois concepts sont notre attachement à l'idée de l'agent, de celui qui accomplit une action, de le moi-je, ainsi que l'attachement à l'acte ou à l'objet que l'on donne, par exemple dans le cadre de la générosité, et du destinataire de cet acte, la personne autrui que l'on saisit comme existant et véritable également. Donc tout acte que nous accumulons habituellement sont toujours entachés de ces limites, de ces concepts, qui rendent donc les vertus que nous accumulons ordinairement limitées et font que ces mérites ne sont pas source de l'éveil. Donc, dans ce sens, il souhaite que nous puissions accumuler les mérites avec la vue et la sagesse, c'est-à-dire de façon que ces mérites deviennent véritablement sans limite, que ces mérites soient par-delà nos concepts et nos saisies dualistes, afin qu'ils puissent être source de l'éveil et se jeter, comme il est écrit dans la stance, dans l'océan des quatre kayas. Le terme kaya est un terme sanskrit qui se réfère au corps, donc aux quatre corps de l'éveil.
il s'agit donc du Nirmanakaya, du Sambhogakaya, de Dharmakaya, et il y a un quatrième corps que nous pourrions nommer le corps de l'essence ou de l'incité, dont nous en discuterons plus tard dans le texte. Chisi tema toba tesi kedan chewa sarap kundu yang digdan dungal dayam dajing dega jansu pala chubar sho standi chidan chanchu semba mahamudra yimba sonsan tekwa chenbu gu chue yindu tene tekwa chenbu gu chue yimba sonsan chanchu tekwa chenbu gu dujar chubar namji malam re digi waray ti indi ta de la ngue ten ge to ne tekwa chenbu gu rik de la chanchu semba la wangbun jing khansa wangbu rab chukzi tabi simchi wangbun jing nyemba tabi simchi tene wangbu tama gyalbu tabi simchi sumyo te sonza tsik ngue ten ge to ne chisi tema toba tesi tu kyadan chewa tsarab kundu yang ane digdan dunghal dhaya mirachin dega gyatsu pala chubra shu siyadi ta wangbu tama gyabu tabi simchi te ngue ten ge to ne te che Shukdengi tohane zin wangbu ndringda wangbu ramnika shukdengi macha. Ta di sundu bena chisi gyawa kuji kumbhang te mato pardu. Ani tesi to gyadan chewa tsarap kundu yang ti mato pardu la gyadan chewa tsarap kundu dine dikdan dungalji dhaya mirapa dewaada gyawa gyansu tabu pala juu tubegi shinkam ti dewaaji shinkam tang. Tindere de yor. Tende imba sonza, yabu tabu simje seati, yabu ti rang bang bang la dichi yabu yungyata, rang yakab la ngatang lungchu yabu yungyak chidu la, tambu yabu korang, tene wang, njorba, bung top ganga yuba zone, tine, tene bang la ya roba che, akisang tene tangu yor. Ta yabu. Bang misrik tuanda samna ngone dongeng yebuji ina ta ti yebuti tangbo rang nga thang longje de shuk chobo yeba zone an tine rang la to shuk de yudu an rang bang ya te pen ta tu yeba songza tangbo rang la yeba so gyo tan de la wang wang ta yabu ta bu simji je bi changju samba de ina tangbo rang kore ge tine parchi mayo ge che do la tine sangje singham ta do ge wa Then the Shinkam Tamji like your lair love yoga marri, taking basonza, then the Sanji over maybe Shinkam like a lair love yimbari. And a Chanju Semba Tsedenji insana, then Sanji over maybe Shinkam jetuvior. Tseden say other carusana, Munju Simchi Mune, Tan, Tseda Demba Lenche, then a Gavachu or Gavachu Sung, Megavachu Pang Titon, and Paro the Chimba took in Yamandi Yavuchene. Cheba ina, tene kyadan chewa tsera tamche to devajin shingam tabuli ketugu yore. Te kyene, yawakuji kumbang de tena tobar chene, ane ma roa simjeng kam tamche la, tene kuji goni tene junche mebeg simje tamche ki tuen chi tubeg chedu malamde, tsik ngwe dengi tohne yabatabu simche. Ta shuk dengi tohne, tene yambatabu simche, bena Nyemba seyate chutangke lisige yore. Chutangke ta nriba ki chutangke da, namru tangke da, ane desu chikpare. Cheza rang yang janzwe paro dudu, yen yang janzwe paro dudu nyamdun rotugu yore. Lamne parchi mebeke tohne nyamdun pike rotugu yore. O ten rabu chene chanchu semba tenam, tene ta chikdu tene dewaji shingala sobala kebeke chedu zumba meba, Jidenji come nams, Jawa Jene, Jawa Jene, the Semjenda Nyamdula, Sadu to Bada, Rangal Homa, the Nyamdula Sadu to Bada. That one more rap, choose the double Semjay Sadi, Tene Jidenji come Tamji Semjay, Yonzo, Ya, Madang Padungaraya, Guji, Komalia, Mepeba Cheni, Titan to be Chidula, Semjenda Nyamdun Jene, Tene Sonamji saw the Yiji, so Nika Sanketela. Then one of choose the same sigur. Tenda yinza, ta
ona tinde ina ore goda dangi mangro do wala. Okay, so now, for however long that may take to accomplish, in all lifetimes through my succession of lives, succession of lives, may even the sounds, non-virtue, and sufferings be unknown, and may I enjoy the wealth of ocean, virtue, and happiness. This means there are three kinds of bodhisattvas. So this Mahamudra practice is mainly for bodhisattvas only. And three kinds of bodhisattvas. One is king bodhisattva, first one. Second, the better one, is pilot bodhisattva. Third one is shepherd bodhisattva. King bodhisattva's attitude is, in order to help his people in the country, the king bodhisattva, like usually king will think, first myself should have power, wealth and everything, and then I can help my people. So King Bodhisattva have an attitude, first I should attain the enlightenment without any obstacles, then I will be able to help sentient beings without any problems. So the surface meaning here of this one shloka is for King Bodhisattva, but indirectly underneath is other two bodhisattvas. The pilot bodhisattva's attitude is, I will help sentient beings and as well as myself and jointly attain the enlightenment. To attain the enlightenment. Of course, you will be faster than others, but your attitude is like that. Like pilot, yeah? Pilot, then when you let's say, boat, yeah? It's a pilot. So when you cross the ocean, same time all your passengers cross ocean. So like that. And shepherd bodhisattva's attitude is, first I saved my animals and then I will make my supper. Yeah? So first you help for the sentient beings and liberate them. So like Chenrezig is a bodhisattva, kind of the shepherd bodhisattva. And anyone who intends to go to Devachan may be king bodhisattva. But don't think you are wrong, okay? Perfect. If you be king bodhisattva, also very good. Yeah? Don't think this is third class. Okay? King bodhisattva, shepherd, pilot bodhisattva, and shepherd bodhisattva. But anyway, the king bodhisattva here, according to this, the surface meaning is, until I enlightened, until I achieve the enlightenment of four kayas, I should be all the time in the place which leading by Buddha, like Amitabha Buddha, where you have not a kind of sounds of the non-virtues and sufferings. And I should be completely involved in the happiness of accumulating the merit and wisdom, means the wealth, may enjoy the wealth of oceans, virtue and happiness. Is it comfortable for you to listen through three languages? Is it okay if I speak in Tibetan? Because some of the lamas intends to hear. Bien, nous venons maintenant à la stance suivante. Tant que je n'aurai pas atteint cela, à savoir les quatre corps des vainqueurs,
durant toutes mes naissances et mes vies successives, puissais-je ne pas même entendre les mots, mauvaises actions et souffrances, et expérimenter un glorieux océan de vertu et de bonheur. Il s'agit ici, bien entendu, lorsque nous parlons de Mahamudra, d'une pratique qui appartient au grand véhicule, au Mahayana. Et donc, c'est une pratique des bodhisattvas. Il est traditionnellement distingué trois sortes de bodhisattvas selon le courage qu'ils expriment. Ainsi, le bodhisattva qui a une motivation, ou disons plutôt une attitude semblable à un roi. Le bodhisattva qui a l'attitude qui est semblable à un passeur ou à un pilote. Et troisièmement, le bodhisattva berger ou qui a une attitude semblable à celui d'un berger. Le premier motivation, donc ces trois motivations sont considérées le premier comme inférieur et les deux autres l'un surpassant l'autre. Donc l'attitude semblable à celui d'un roi est l'idée que je souhaite atteindre ces quatre corps, ou réaliser, accomplir ces quatre corps de l'éveil afin de pouvoir venir en aide aux autres, un peu ou à l'instar à un roi qui souhaite accéder au pouvoir afin de faire le bien de ses sujets. Ainsi, je veux acquérir d'abord pour moi-même des qualités pour que je puisse en venir, pour que je puisse venir en aide par la suite aux autres. La motivation suivante est l'idée que je souhaite, à l'image d'un passeur, accéder à l'éveil, non pas d'abord, mais en même temps que tous les autres êtres sensibles. Comme un passeur amène ses passagers d'une rive à une autre en même temps. Il traverse cette rive lui-même et amène tous ses passagers à faire cette traversée. Et enfin, la motivation du berger est d'abord d'amener ses animaux en sécurité avant de se mettre lui-même en sécurité. Donc c'est se consacrer d'abord aux autres avant de se consacrer à soi-même. Donc c'est celui qui souhaite l'éveil de tous les autres et ne le souhaite atteindre son propre éveil qu'une fois vu tous les autres êtres sensibles sans exception accéder à l'éveil. Donc la première motivation est une application en quelque sorte directe. Il ne faut pas considérer qu'en réalité c'est une attitude inférieure ou moindre. C'est par exemple la motivation que je souhaite par mes vertus, par ma pratique vertueuse, par exemple à ma mort, pouvoir renaître dans la terre pure de Sukhavati ou Devachen, la terre pure du Bouddha Amitabha, où je pourrais jouir de grand bien-être et pouvoir avancer tranquillement, sans difficulté, vers l'accomplissement de l'éveil. Mais cette motivation-là n'exclut pas les deux autres qui sont accomplis indirectement par l'accomplissement des quatre corps qui sont une source constante de bienfaits pour tous les autres êtres sensibles et qui ne cessent que lorsque tous les êtres auront atteint l'éveil. Et donc, en ce sens, est un bienfait perpétuel qui peut être acquis. Donc, ces deux autres motivations sont, en ce sens, développées indirectement. Dans ce souhait, nous souhaitons donc pouvoir accomplir toutes les vertus et à travers ces vertus, puissions-nous
être libre de toute action négative et de leurs conséquences, les souffrances, et dès lors pouvoir accomplir le bien des êtres dans la vertu et sans difficulté. Ok. 단조 초톱 대준 시럽든 시니 장든 담비 주톱대 수진 주불라 파치 마치바 서럽군도 담치 주버 쇼 다디 텐다 송자 디그나 동아 자야 미라바 아니 대화단 개와 장소 답이 빨라 칸데스 주고리세나 주버 칸데스 용 칸데스 고요리세나 다께는 저와 서럽군도 대기 장소 빨라 주토바티 강국군이 주토부리 시나 타와지 저와 주상의 미르르 모치 토바 대토베 마치 군초스무라 대바 이치 당화 당도 이치스무 대바 유여바 디 유여바 인도 아니 준류기 돕던 덴바 시럽지 돕던 덴바 준류도 시럽지 돕던 덴바 고니 기위 신인 장부 신인 장부 시야바디 다 아니 신인 장부티 다 강다르 담배 쭉 내는 짐바 디토르 쟁기 옛날 배우기 두주 장심 냄바 나절 매바 어다든다시 디건 디기 돈에 든다 안에 담배기 주지기 임바 송산 디기 돈에 든 담배기 주 톱네 담배기 주 톱아티 랑 출진도 줘봐라 안에 근데 님만 나이 파치 매받다고 그러발라 님만 나이 파치 매받다고 하면은 됐으면 되지 살 파치 매받셔바디 되네 나 랑 심 아니 이외 파치 매봐 배나 심라 남도 이와 요몸비 이와 되네 파치 매봐 야 맨에 랭엠바 다들 랭엠바 용마라 단조 초토 임바 송자 다 륜든질 이와 샘남도르 이와 이와니 파치 메바 티야나 야보도 티자잖아 군들르다 륜든질 이와 데테네 치로기 요기 롱주 마단 라소 이와 쳔보 안된서 미스칸데스 로서 하고 마레 한 미스 조르고레 이외 토 샘남도르 이와 임바이나 Semnandol Maying Bayina, Gomlas of Kandi, Gamna, Namdo, Parchi Chene, Gom the Lam Lot of Yomare, Tende Sonza, Parchi Machipar, Tende Gone, Lame gave a shinage tune, Tobek, Dama, Chu Zambuti, Parchi Mevala, Surgeon to Dumne, and it's Serap Kundu, Tambi Chu, Chuber Shoji, Serap Kundu, Tambi Chu, Tene Tambu Solam, the Jolam, the Solamne. Jolam Jolamne, Golam Tine Tolam, Tine Sachu, Tinz Rimbajin to Tine, Tami Chu Tadu Kuji, Command Madok Padula, the Chanju Sembeke, Lam Nad, Sachu Karim, but the summer time Chu, Jubber Show Cheese. Tati Mulam Chu. Okay. Possessing the greatest leisure and endowments with faith, industry, and prajna. Industry, the meaning of the word is correct. Yeah, do it. Tanjur Chotop, Tesun Sherab, then Cheverwal. And serving, leisure and endowments, Tanjur. Serving an excellent spiritual advisor, may I obtain quintessential instruction. Quintessential instruction is the whatever Milarepa given to Kambopa. Spiritual advisor means spiritual guide. I think this means guru, lama. The teacher. Tanjur Choto Tezu Shirabde. Okay, now it says here what is the wealth of ocean virtue and happiness? What is that? How to attain that?
You have to attain through. You have to attain by a qualified, qualified, qualified birth. What is the qualified birth? Is here. Tawagi, kantetse gusano. Tawagi injorvachu. Lab gusarvar. Disqualified. Disqualified is if you are animal. I know we all, I like animals. You also all like animals. My brother Jimela loves dog. So we don't like to hear dog is not, dog's life is not precious life. Because I love dog. But there are people who love tiger also. You don't like to hear tiger is not precious life because you like tiger is so beautiful. But it is not precious life for the enlightenment. Because how many times you teach, even Buddha come to teach to tiger, will not understand what he say. Yeah? Is this beautiful? Yes. Beautiful? Even ladybug is beautiful. Yeah? But they are not in the precious life. Ladybug means the beautiful bug, yeah? Color, beautiful. Or butterflies, beautiful. But their life is not precious life. Why? They cannot attain the enlightenment. They cannot have the, they don't have the enough faculties or senses to understand Dhamma. Even Buddha come near them and teach them. They will not understand it. Because lacking of the precious life. We human, how ugly we are, no matter to learn Dhamma, there's no difference. I mean, how ugly means more ugly than butterflies. But we can study Dhamma, we can learn it very well. Yeah? If we are deaf, if we are retarded, then it is disqualified for Dhamma practice. It is not precious life. If we are in the one of the most contemplated mind, God realms, the one of the highest, according Buddhist teachings, you have many classes of the realms, and they are realms of the God. God is the words that we adopted from the English. Maybe it is not appropriate, but in Sanskrit it's called Deva. Deva means, as far as concerned about peasant life, better than human life. So it's called Deva. And Deva has many classes of the realms. The highest one, the one of the highest one, is in complete contemplation. Their mind, of course, they don't have any physical sufferings, but even in the mind, they have complete peaceful state of mind, which does not have a little discomfort in the mind. Yeah, but they cannot go into the they will not pay attention to Buddha Dhamma because they are totally sink in there. Their mind is totally overwhelmed by their contemplation, so they have no time to think about Dharma. So even Buddha go to them to teach Dharma, they will not pay attention. Yeah, they are fully distracted by their contemplation and happiness in the mind, and they will not pay attention, therefore disqualified. Constantly suffering beings are in the hell, hot hell or cold hell. Hell is what? Hell is, in this world, hell, the hot hells are underground, cold hells are over the ground, like North Pole, South Pole, or Greenland, like that, Danish. So, they are living beings in the ice, are constantly suffering with the cold, and they have no time to think for Dhamma. So these are the disqualified, okay? Disqualified and also unconditioned.
unconditioned is like any society or any area where you are like savage. Yeah, unconditioned. They don't know what is Dharma. They don't know what is Buddha. What is enlightenment? What is next life? They don't know. These are the unconditioned. Okay? So, precious human life is like we have right now. We can understand everything about Buddha Dharma, and we have the capacity to attain the enlightenment because we are not totally distracted by our lively pleasures. Yeah? We have a lot of problems. So problem is the first signal that samsara is not the ultimate goal for us. So, and we can look for something else. And the moment you have the intention to look for something else, or means that you are not satisfied with the worldly life, and that is already first step in order to find the path to enlightenment. Yeah? So our life is precious life because of all these conditions and also abilities we have to engage in Dharma practice, to engage in meditation for enlightenment. So, and moreover, people like you are here, we are all have the devotion to Buddha and devotion to Dharma and Sangha. And also we have intention to practice Dharma. And we, as I already explained, we have the abilities, mental abilities to learn Dharma. Like this precious life we need and we must have it. So here the third karma of Rangjung Dorji made wish for all sentient beings to have it, including yourself, and must meet the right teacher. Though you have the precious life with the full conditions, but if you don't meet the right teacher, then you will not get pure transmission of the teaching. So you should have the teacher, the qualified teacher. And when you receive the teachings from the qualified teacher, you understood it and you follow properly without obstacles. The obstacles are what? Obstacles are distractions. Physical distractions and mental distractions. Physical distraction is like that you are distracted by many things, many pleasures surrounding you. Mentally distraction means agitation, countlessly thinking. So some meditators who are in very, very, very isolated cave but still cannot be successful because the obstacle of the mental distractions. So you have to be free from these two obstructions or obstacles. And all the time until you achieve the full enlightenment, all your lifetimes should be in this transmission of Dharma that you receive from your papa teachers and practice in it with the full of the with the support of the precious life and conditions, like you are in Devachin. Donc nous devenons maintenant à l'instance 4. So, excuse me. Many lifetimes means bodhisattvas like five paths. And bodhisattva, if you are now bodhisattva, you are already in the practice of bodhisattva. You will accomplish all the preliminary path. Then you attain the first bhumi. And after you attain the first bhumi, then you will successfully cross all the bhumis and then attain the enlightenment. In many lifetimes, no matter.
Donc nous venons à la stance 4. Ayant obtenu les sublimes loisirs et acquisitions, et ayant la foi, le courage et l'intelligence, m'en étant remis à un guide spirituel qualifié, et ayant reçu la quintessence des instructions, ou les instructions quintessentielles, sans que ne surgisse d'obstacle pour les réaliser correctement, puissais-je pratiquer le Saint Dharma durant toutes mes vies. Alors, ici, cette stance présente le souhait de pouvoir mettre en application la pratique du Dharma par-delà, c'est-à-dire ici, en particulier, mettre en application les instructions quintessentielles par-delà les obstacles, et cela en m'appuyant sur un guide spirituel qualifié et ainsi que des conditions qualifiées. Donc, il est question ici d'une naissance qualifiée. Il y a en réalité un certain nombre de conditions défavorables. Par exemple, défavorables en ce sens que c'est une condition, une vie qui ne nous permet pas de pouvoir accéder à l'éveil. Ainsi, par exemple, la condition animale. Évidemment, nous aimons tous beaucoup les animaux. Mon frère, par exemple, aime particulièrement les chiens. Je les aime d'ailleurs aussi. Il y a d'autres personnes qui ont un attachement plus particulier pour d'autres animaux, comme les tigres. Mais ces formes de vie ne sont pas des vies précieuses, car même si le Bouddha se présentait à eux et leur enseignait le Dharma, ils ne pourraient le comprendre et accéder à l'éveil. Cela n'exclut pas que ces animaux puissent être très beaux. Par exemple, vous avez les coccinelles qui sont agréables à regarder. Mais même si le Bouddha se présentait à eux, leur enseignait le Dharma, ces êtres, ces animaux, de par leurs conditions psychiques et physiques, ne pourrait atteindre l'éveil. Mais en revanche, un être humain, même laid, ça veut dire ici plus laid que les papillons, reste qualifié pour pouvoir comprendre l'enseignement du Bouddha et peut, en ce sens, atteindre l'éveil. Il est dit dans les ouvrages bouddhiques qu'il y a également d'autres dimensions, d'autres formes de vie qui sont traduites par des formes de vie divine. Alors le terme sanskrit pour Dieu est Deva. Peut-être ne s'agit-il pas ici d'un terme tout à fait approprié, mais en tout cas l'idée de ce terme, c'est que ce sont des formes de vie qui sont meilleures que celles des êtres humains. Par exemple, il est question d'une forme d'existence qui est caractérisée par une forme de contemplation, de concentration contemplative la plus complète, en ce sens là, qui ne connaît pas la moindre inconfort, quelle qu'elle soit. Cette forme de vie là, bien qu'elle soit supérieure à celle des êtres humains, n'est pas non plus considérée comme étant une existence qualifiée pour atteindre l'éveil, puisque ces êtres sont entièrement, si je puis dire, distraits, entièrement engagés dans la jouissance de cet état de profonde contemplation, de profonde quiétude.
Et donc, même si le Bouddha se présentait à eux et leur enseignait, ils sont tellement épris par leur concentration et le bien qu'ils en éprouvent qu'ils ne sont pas prêts à entendre quoi que ce soit sur l'éveil ou être prêts à s'engager vers l'éveil. Il y a également d'autres formes de vie où c'est la souffrance qui prédomine. Ainsi, par exemple, il y est question de vies infernales. Ainsi, les textes mentionnent les enfers chauds situés sous la terre ou les enfers froids sur la terre, sans doute au pôle sud et au pôle nord, dans le Groenland, peut-être au Danemark. Il y a d'autres, également d'autres formes d'existence non à qualifier, où nous sommes psychiquement limités ou par nos conditions pas prêts à pouvoir entendre non pas ni le loisir ni les conditions ou la fortune de pouvoir entendre le dharma. Cependant, nous à présent, nous avons cette condition favorable. Nous sommes qualifiés, nous qui sommes ici présents, à pouvoir accéder à l'éveil. Et cela d'autant plus que non seulement nous sommes libres d'entraves, mais aussi nous sommes dotés de la fortune de pouvoir entendre l'enseignement, d'avoir accès à cet enseignement et de surcroît d'éprouver à l'égard de cet enseignement un intérêt, une confiance, une dévotion. Nous avons en ce sens, nous sommes enclins vers l'éveil. Il nous faut, sur ça, pouvoir obtenir un maître qualifié, quelqu'un qui connaît parfaitement l'enseignement, qui en est détenteur de l'enseignement et qui vit en accord avec cet enseignement et qui enseigne avec bienveillance et compassion. Donc, cette stance formule le souhait que nous puissions avoir toutes ces conditions favorables, les conditions de liberté, une liberté des entraves, des obstacles qui empêchent de pouvoir aller vers l'éveil, la fortune de pouvoir avoir les conditions psychiques et les conditions de pouvoir avoir accès à l'enseignement et en particulier de pouvoir rencontrer un tel guide spirituel, un maître qualifié. Aussi, le troisième karmapa ajoute que puissions-nous mettre en application les instructions quintessentielles ainsi reçues auprès de ce maître, de sorte à ne pas tomber dans les obstacles. Bon, les obstacles peuvent être décrits comme étant les obstacles à la fois physiques ou extérieurs, qui sont par exemple notre attrait à nous laisser distraire par divers objets de distraction, que ce soit des plaisirs ou autres, et de même que les obstacles intérieurs qui sont les distractions internes, c'est-à-dire les difficultés que l'on peut éprouver, même retirées du monde, dans un lieu solitaire, même si nous nous portons à une concentration assidue, parfois nous n'y arrivons pas, il y a une agitation intérieure qui nous empêche. Donc puissions-nous être libres de toutes ces distractions et puissions-nous ainsi nous appliquer sur la voie à travers toutes nos vies jusqu'à l'obtention des quatre corps de l'éveil parfait. Alors cette question de toutes les vies ici fait référence à, si je puis dire, la carrière ou à plus précisément
au parcours du Bodhisattva, à savoir les pratiques préparatoires que sont le chemin de l'accumulation, où on accumule sagesse et mérite, les chemins de préparation qui nous mènent à la vision, au chemin de la vision, où nous réalisons pour la première fois directement la vacuité et nous accédons à la première terre des Bodhisattvas, puis à son entraînement à travers les 10 terres des Bodhisattvas pour amener au chemin ultime de l'éveil. Donc, puissions-nous ainsi parcourir à travers toutes nos vies ce chemin vers l'éveil complet pour le bien des êtres. Longri tebe meshe dublet menga sam be tezo mena jum gom jum vich nelu chiji sa sherab sum ji nawa gi sho ta te la dam bi chu de chu ji duba la pa che me ba de khang la ten go she na sherab sum ji nawa gi go ba yin de ya tebe sherab sam be sherab gom be sherab te ne long zo be sang ji ji ka rig ba ni jin ju kya ba nam jin ze be ten ju be na dem ba ji demba ji chema yimba drupe ge tenju ane nam chema namde ge leu thangpun thangmu dabo tarik patinde kharzo trupe leu ti ge ten demba ji de chue chema yimba drup ti thone chue chema yimba songzan de demba chema yimba drup yor ngo ten dabo tene tenzo thue ne ten mishe bi dibale tone ta mishe bi dibate ta thaba Tava topic chitula tab the sherp soon the drive going to so chitter sack of Mishepati, Mishep Dibari. Tati Mishep Dibble told me to Benga Seati and a Chidang Chu Tig Tota, then a Yamsu Lambe Kabla and Lame Titap Tempatan Sewan Shinki Tine Dama Benga. Tangbo duja soso la chue kare tsangudu la me kengu yore. Niba tela tini loma tibi kabla tap kare gugudu la me kengu yore. Sumba tela tap tela menga kare gugudu la me kengu yore. Ti sonza shenye zangbo re. Ti tabu kengen shenye zangbo de tenne shenye zangbo ti chungne tope danga menga tenso la Taruya kolo telo tsamayin ba rangi tsurujin samantani tine tela ti chidar bimba di sheba yina ane bena lame tungle dangwa chasang top tsane melare bala so loma tenam rani chikbu ane pupe nang du ju du du menga tenzu tuto la tiki nyamsu len tuba Yams language to Sukhang Kemba Tenzo Yungyor. Titi Kanat in the Yungyor, some of Sambi Sheriff in the Yungyor. Chas of Sambi Sheriff, do you ever yina? Then didn't did Aina, Mina, Dangwan did Yams language, Yeda, Meta, Tindek didn't go Tombata. Didn't do Iona Sambi Tesumi Omari. This was a Tesum de Munada, Tichomne, Tatile Chungwe, Tat and Lungrik Tabatang, Menga Samba Yinle Chungweke. Sherapte Gonjung Sherapte Gonjung Sherapte Lam Yams Lebaltene, anything in Ziginam Yamu Kari Yung Yuba, the Gonjung Sherapte Gonjung Sherapte Yonatin and Nelu Chijim, but the Sagioris, Nelu the Kalashina, Yawakuji, Nelu the Rang Semlan Dudeo, Semla Tang de Yor. Chesa, T Nelu the She Yundetin and Nelu Titone, Anne. Jawakuji, Janzo, Jotu, you are a chess and sheriff, soon you know what you have a show, Statila. Okay. Study of scripture and reasoning, scripture and reasoning delivers one from the pall of nescience. Ignorance. I don't know these words. Ignorance. Ignorance. Ah, that's. Study of scriptures, I don't think scripture is even any religion has scriptures. So here is direct teaching of Buddha. Reasoning delivers one from the pall of ignorant. This is more comfortable for me. Ignorance is more comfortable for me.
Rumuji nations ngade ignorant shile ran re yore okay la darkness no reflections on the oral instructions vanish the darkness of uncertainty. The light cast by meditation vividly illuminates the enduring condition. Okay. Here it says scripture, it means Buddha's teaching. Teaching of Buddha and instruction of the teaching of Buddha is different. Teaching of Buddha is vast, big, yeah? And then the later great scholars like Nagarjuna, they written a lot of textbooks for the students according to Buddha's teaching. So textbooks are maybe here called reasoning delivers, means that, such as like Dharmakirti. Dharmakirti is very, very great scholar. In which century is that? Church Trapa. No. Yeah, maybe, I think about 5th century. He wrote book about logic. And the first chapter is the chapter that explaining the Four Noble Truths is completely, absolutely accurate or not. Because of Buddha's teaching, referring to the logical reasons. So as long as Four Noble Truths is correct teaching, then the teacher is correct, teacher Buddha is correct. So if you discuss with non-Buddhist religious teacher, you cannot say Buddhist teaching is perfect, correct because of Buddha. You have to say how it is perfect. Therefore, Dharmakirti written the logic book in that first chapter is how to prove the Four Noble Truths is perfect teachings. So that is the reasoning. Okay. If you studied properly the teaching of Buddha and also commentary of the Buddhist masters, then you will able to eliminate all the vanish the darkness of uncertainty. Yes, correct. That is the how you Tri Prajnana means study and then deeply analyze on the subject what you studied. And the third is experience of meditation. What you studied, you practice it, and then you get the experience. Like if you studied how to do Dzogchen Sampa practice, that first you have to know how to do it properly. Second, you should not have any misunderstanding about it. Third, when you do Dzogchen Sampa practice, then you get very good signs that your mind is free from bad karmas, overwhelming problems. Yeah, like our old monk at Swayambhu Monastery did a lot of Dzogchen Sampa practice, and then he got the good dreams according to the Dzogchen Sampa text, like riding elephant. So riding elephant is a good sign of that you are getting purified, yeah, from bad karma. But if you're expecting that, then you will have an illusion dream. Yeah, that you are riding elephant, which is not the right sign. So without expectation, then he got a dream that he was riding elephant and holding a bunch of flowers in the hand and making round of the Swayambhu stupa like that. So that kind of experience is from meditation.
Okay, and then after that, then he got the Mahamudra realization, and he told me that he thought why he did not understand the teaching of his guru for so many years. So many years you will not understand. You did not understand very well because you only heard it. You are trying your best to do to have it, but you didn't have the third one is the experience from meditation. So these three. If you achieve these three, then the path to enlightenment is totally free from the obstacles. Therefore he made wish that all sentient beings to have it. Donc nous en venons à l'instance 5. Par l'étude des textes et par le raisonnement, on se libère du voile de l'ignorance. Par la réflexion sur les instructions orales, l'on détruit les doutes. Par la lumière issue de la méditation, scintille l'état naturel tel qu'il est. Ici, les textes, dans se référence à ce terme de texte ou d'écriture, dans la stance, fait référence non pas à juste des écritures quelconques, mais en particulier aux enseignements du Bouddha, qui sont conservés et qui sont extrêmement vastes. Et nous trouvons, du fait de cette ampleur de l'enseignement, des auteurs qui ont écrit des résumés qui expliquent ce que l'on trouve de façon extensive dans les écrits rapportant les enseignements du Bouddha, résumés tels par des maîtres comme Nagarjuna. Donc il est ici question par la suite de trois sagesses. La sagesse qui vient de l'étude, c'est-à-dire de l'étude de ces enseignements. Donc, compréhension acquise par l'étude. Puis, la compréhension que nous pouvons acquérir à travers une réflexion, plus précisément une analyse approfondie de ce que nous avons appris par la lecture et, ou par, les enseignements que l'on a entendus. Et la troisième forme de sagesse, c'est celle qui est le fruit de l'expérience méditative. Ainsi, par exemple, nous avons les enseignements du Bouddha qui sont qui nous ont été transmis par le Bouddha. Le Bouddha est donc décrit comme un maître en quelque sorte infaillible, non pas par sa personne même, mais par son enseignement. C'est-à-dire, lorsque nous analysons par exemple son enseignement sur les quatre nobles vérités, quand l'on voit la pertinence l'infaillibilité de cet enseignement-là, nous pouvons en déduire l'infaillibilité de la réalisation et de la compréhension de la personne qui nous l'est transmise, et donc du Bouddha. C'est ainsi que, par exemple, le maître indien Dharmakirti, qui a vécu en Inde aux alentours du 7e siècle de notre ère, dans son ouvrage le Pramana Vartika, présente des arguments qui démontrent en quoi l'enseignement du Bouddha est infaillible. Donc nous pouvons nous référer à cela et acquérir ainsi une compréhension et ainsi également par la réflexion et l'analyse des propos qui nous sont rapportés dans ces enseignements
arriver à dissiper toutes les doutes, toutes les incertitudes, les incompréhensions par rapport à l'enseignement. Et puis, en appliquant cet enseignement dans la pratique, nous pouvons acquérir une expérience méditative. Ainsi, par exemple, dans l'exemple de la pratique de Vajrasattva, pratique donc de la purification des actes négatifs passés, purification du karma. Il y avait un moine, disciple de Rinpoche, à Swayambhu, au Népal, qui avait acquis des signes de la réalisation de sa pratique de Vajrasattva. Il est décrit qu'il y a ainsi, par exemple, certains rêves que l'on peut faire. Et le moine en question avait rêvé qu'il montait sur un éléphant et tenait en ses mains des fleurs et qu'il faisait le tour du stupa, la circumambulation du stupa de Swayambhu au Népal. Si nous faisons ces pratiques avec une attente, connaissant quels sont les signes, dans ce cas-là, il se peut que l'on acquiert des signes illusoires qui ne sont pas des signes réels, qui sont le fruit de notre attente, de notre espérance. Ici, il s'agit, dans le cas de ce moine, par exemple, de signes qui ne viennent pas d'une quelconque attente, qui sont apparus tout à fait naturellement. Donc ces expériences qui viennent de la méditation nous permettent de comprendre l'état naturel, la réalité ultime. En ce sens, par exemple, ce moine en question, une fois qu'il avait beaucoup pratiqué, qu'il avait compris le sens du Mahamudra, avait demandé à Rinpoche pourquoi cela faisait-il qu'il ne l'avait pas auparavant compris, pourquoi cela avait été si difficile. C'est parce que sa compréhension était essentiellement fondée sur non pas l'expérience méditative, mais juste sur l'écoute des enseignements. Ainsi, donc, ce souhait du troisième karmapa que nous formulons, que nous souhaitons également, et que nous puissions ainsi nous libérer des trois entraves et voiles de l'ignorance et les voiles donc des doutes et la voile liée aux pratiques méditatives, par exemple de nos espérances. Donc puissions-nous aller par-delà ces voiles et acquérir donc les trois sagesses qui sont donc le dépassement de toutes ces d'une part de ces entraves et de l'acquisition donc d'une sagesse de plus en plus approfondie. We stop here for lunch. Sunam di tham je zipa enye tham ne enye ba na nam ban je je ga na che ba la du si be cho len do war do war show.